du samedi 18 juin. Nous avons fait un nouveau vlog, on y est là, nous sommes dans la région du 9-2. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. C'est parti, on y va. Go. Donc voilà, j'ai fini mon petit tour de vigne-grenier du matin dans le 9-2. Bon, il n'y avait pas grand-chose, hein, quoique c'est un vigne-grenier où on ne trouve pas toujours, on trouve pas toujours grand-chose. Ça dépend du moment. Mais j'ai pu trouver une console, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça dans le compte-rendu. Donc maintenant, on va dans le deuxième vigne-grenier, un vigne-grenier que vous connaissez. Allez, on y va, c'est parti. Ça fonctionne? Ça te dit? Non, pas le Casio, je parle du Sanpei Yamaha. Yamaha, ça fonctionne bien, mon ami. 40 balles, non? Non. Non. C'est quoi ton dernier prix? 70. C'est beau, hein? Ça fonctionne bien. Pour, ça, c'est les manettes quoi? Tu peux regarder? Ouais. Ça, c'est manette de quoi? Tu peux voir ça? Je connais, j'ai ce stand. Le GTA China, attends-moi. Clin d'œil à 3, Fox Arnold. Jean monsieur, c'est combien? Non, ça marche.
Donc voilà, nous avons fini avec ce vide-grenier live. Donc faute de colombe, il fait chaud, très chaud aujourd'hui, c'est vraiment dur. Enfin voilà. Donc j'ai pu faire des petites trouvailles hein, de jeux communs, il n'y a pas de jeu extra. Mais bon, on va voir ça dans le compte rendu. C'est parti, on y va, go. Nous voici pour le compte rendu de ce vide-grenier live du samedi 18 juin. Donc j'ai fait deux vide-greniers aujourd'hui. J'ai fait des petits trouvailles communs. Dans le premier vide-grenier où j'étais, qui était dans le 9-2, je peux vous dire que comme je suis arrivé très tôt le matin, il était à peu près vers les 7h, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas tous les exposants qui étaient là. Donc, j'ai fait un tour vite fait. Il y avait pas grand chose de vidéo, personnellement. Il y avait que des jeux de sport. Vous avez dû voir la vidéo. Du foot, que du foot, hein. Enfin, bon, voilà. Voilà. Donc, j'ai pu faire qu'une seule trouvaille, une console, dont j'ai dit que j'allais vous en parler. Donc j'ai pu trouver cette console là, une GameCube. Donc, voilà, chez un vendeur qui est en loose. Il est annoncé à 5€. Donc j'ai dit au monsieur, est-ce qu'elle fonctionne? J'ai dit que voilà, ça. Non, regardez, j'ai regardé après avoir checké au vu de l'état et tout. J'ai dit qu'il n'y a pas les câbles, je sais pas si ça fonctionne. Est-ce que pour 3€ ça peut passer? Elle dit oui, ok. Donc voilà, j'ai donné 3€, j'ai embarqué. Donc la GameCube, je ne sais pas si. Elle fonctionne honnêtement, personnellement j'ai pris comme ça, après bon, pour 3€, bon, je vais voir si je peux faire un projet avec, je verrai. Donc voilà, ensuite, comme je suis reparti, il n'y avait pas, j'ai vu, il manquait d'exposants, mais j'avais pas le temps parce que j'avais le deuxième vide-grenier à faire, donc j'ai préféré ne pas rester, j'avais peur de rester dans le premier vide-grenier, puis de peur de ne trouver rien, si je reste là jusqu'à 9h, 10h, enfin voilà. Donc j'ai préféré aller dans le second vide-grenier qui est un peu plus prolifique, donc voilà. En tout cas, je suis content d'avoir eu cette GameCube pour 3€. Négocié. Ensuite, le deuxième vide-grenier où j'ai été, dont vous connaissez tous, j'ai pu faire quelques trouvailles. J'ai pu trouver Burnout Revenge complet, que j'ai eu pour 2€. J'ai pu trouver ensuite, dans un autre lot, notre-dame, j'ai pu trouver un jeu sur Wii U. Bon, celui-là, tout le monde connaît, c'est du basique Nintendo Land. Ensuite, j'ai pu trouver chez la même dame Monopoly Street. Celui-là, il dira, j'ai pris pour échange. Il y a quelqu'un qui serait intéressé, qui ne m'a pas, mais qui fait le full set PlayStation 3. Donc, j'ai eu ces deux-là pour 4€. Ensuite, sur un autre stand, j'ai pu avoir un jeu en loose de PlayStation 1. J'ai nommé Time Crisis Project Titan avec sa notice. Il était annoncé à 50 cents. Donc, j'ai pris un franchement, donc voilà. C'est une licence avant, et tout existe. Ensuite, chez un autre exposant, j'ai pu trouver une autre console. La personne m'a dit que c'est à 3€. Donc, je dis, bon, 3€, je vais faire un projet avec. Je vais le proposer à quelqu'un à l'échange. Mais bon, je vais peut-être voir si je peux faire un projet avec. J'ai nommé une Wii à 3€. Je ne sais pas si elle fonctionne. Donc, voilà. Donc, j'ai pris le câble avec. Hein. Bon, voilà. J'ai eu ça pour 3€. Et puis, pour finir, donc, il faisait vraiment chaud. J'en avais même un peu marre. Ouais, entre vous et moi. J'ai pu trouver un autre. J'ai pu trouver ça. Un autre exposant. Mais il n'y avait pas de jeu. Et comme Fox Arnold, le grand-mère, certain Fox Arnold, tu m'as envoyé du MD en loose. Donc, je vais pouvoir compléter. Monster Hunter Freedom United. Donc, voilà. Il y a la jaquette, il y a la notice. Mais il n'y a pas l'UMD, donc c'est cool, ça marche pas. Donc voilà. Merci à toi, Fox Arnold, je vais le compléter. Vous comprenez, c'est toujours utile d'avoir de prendre des choses en loose. On peut toujours retrouver, avec de la chance, la jaquette et la notice. Et puis enfin, en parenthèse, j'ai fait deux derniers achats, puisque j'étais revenu sur un stand qui faisait des jeux Xbox 360 à 5€. Donc il me l'a fait, j'ai demandé, il a diminué à 3. J'ai dit, si je prends 2, tu me fais 2 à 5. Donc voilà, donc j'ai pu prendre ces deux jeux-là pour 5€, qui sont bons. J'ai nommé Mortal Kombat. Et Ninja Gaiden 2.
ils sont complets et les CD ils sont nickel. Vous pouvez voir, complet. CD. J'ai déjà regardé les CD, c'est nickel. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout hein, pour ce compte rendu de vide-grenier du samedi 18. J'ai pu trouver des petites choses. Voilà. Il y a des consoles, il y a du commun. Voilà. Donc je vous souhaite, n'hésitez pas à me dire ce que vous passez dans les commentaires. Laissez pour laisser des likes. Voilà, j'ai profité pour faire quelques courses parce qu'avec les chauds, je pense que je ne vais pas sortir sur ce vide. C'est vraiment trop chaud, ça monte à 40 degrés quand même. Demain, je vais faire un petit vide-grenier, il me reste un petit budget, mais bon, pas grand chose. Hein, donc je pense pas que j'irai loin. Donc voilà. Donc sur ce, passez une bonne journée et surtout évitez l'insolation. Rafraîchissez-vous bien également. Mettez-vous une visiteur d'eau également, c'est bon. D'ici là, bonne journée à vous. Portez-vous bien. Et à demain. Salut. The door, oh, 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 if the answer isn't fair, no, you can't go.